it's red. Last week I was practicing the K213 Sonata by Scarlatti. An amazing piece, a jewel of the repertoire not only of the piano and the harpsichord, but the guitar as well. And I'm so lucky to have a good friend that actually knows a lot about Scarlatti. He's an amazing harpsichordist in the Conservatoire, and I'm meeting him tomorrow there to talk about Scarlatti, the Baroque music. I'm really so excited. The whole thing is going to be in French, so if you're not very good at French, then push the button below that is for subtitles, because I have translated everything so you can understand everything. I'll see you tomorrow. Bonjour Elias. Bonjour Cyril. Ça va? C'est pas souvent que tu trouves des salles avec autant de clavecins. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'il y ait beaucoup d'autres salles avec autant de si beaux instruments. C'est quand même un privilège. D'avoir ça ici. Donc on est au Conservatoire de Paris, pour le dire. Conservatoire de Paris, tout à fait. Ici, du coup, quel est ton clavecin favori ici? C'est 1, 2, 3, 4 clavecins. Ça dépend vraiment des périodes et de comment je me sens, on va dire. C'est vraiment le luxe d'avoir ça ici. Mais là, actuellement, il y a quelques instruments qui tournent. J'aime énormément ce clavecin-là, ce clavecin français 17e, dit Thibaut de Toulouse. Et ce petit instrument, copie d'un Rückers, un instrument hollandais du début du 17e siècle. Wow. Actuellement, moi, je passe beaucoup de temps sur les deux. Concrètement, un instrument qu'on peut appeler clavecin, ça comporte des mécaniques qui pincent des cordes. Voilà, tout simplement. Ça, on a des sources très très anciennes. Ça a à peu près toujours existé. On a toujours pincé des cordes, ça tu sais bien, je vais pas te l'apprendre, un guitariste. Et on a voulu pouvoir faire le plus de choses possibles avec ce système en rajoutant de mécaniques, en pouvant faire plusieurs sons à la fois et surtout en fixant de façon définitive l'émission d'un son par un moyen mécanique et concret. Les clavecins, comme on les connaît à peu près aujourd'hui avec ce clavier, avec cette mécanique, avec ces cordes, on en a à peu près depuis le 15e siècle. Je pense qu'il n'y avait pas de double clavier à l'époque, ça c'était plus nouveau comme tout à fait. Technologie. Plus nouveau, c'est aussi apparu assez vite. Seulement, On a eu un clavier assez tôt et cette tradition du un clavier est aussi restée dans plein de pays de façon bien plus tardive. Par exemple en Italie, là on verra un instrument italien, on est resté un clavier sur presque toute la période. Et en France on a voulu avoir plus de possibilités de timbres où on a rajouté un autre clavier à des instruments qui n'en avaient qu'un seul. À quoi ça sert en fait le double clavier? Il y a plusieurs fonctions ou... Concrètement, ça change juste le timbre. C'est-à-dire qu'on aura des cordes qui seront faites de la même façon, que ce soit le premier clavier ou le deuxième clavier, mais qui seront pincées à des endroits différents, ce qui va donner des émissions très particulières. Tu peux juste me montrer un peu. Bien sûr, ce qu'on appelle le petit clavier, le clavier du haut, ça va être une corde qui est pincée plus proche du chevalet, et donc qui va donner des harmoniques bien plus riches, et donc un peu nasillardes. Comparé donc au grand clavier qui a un son bien plus rond. Très intéressant. Oui. J'ai vu que Scarlatti avait accès au piano. Il était le premier qui avait accès au piano. Il a connu ça. Forte. Il a connu ça. Quand il était adolescent, parce que Cristofori, si je ne me trompe pas, il a inventé le piano à 1700. Oui. Il travaillait pour la famille des Medici. Prototypes. Oui. Et aussi Alessandro Scarlatti, le père de Domenico. Oui. Il travaillait aussi pour les Medici à l'époque. C'est sûr qu'il en a joué. Donc il était dans le premier qu'ils ont touché. C'est ça. Donc il connaissait depuis tout début de ses compositions, il connaissait ces différents timbres, ces différentes mécaniques. Oui, oui, oui. Et puis je pense qu'il faut saluer aussi le couple. Facteur d'instruments et musiciens qui existaient déjà à l'époque, c'est sûr que les facteurs ont beaucoup écouté les musiciens, ils ont sûrement beaucoup parlé, savoir qu'est-ce qui était agréable à jouer, qu'est-ce que le musicien voulait faire en plus, et la facture a évolué dans ce sens-là aussi. Une chose est sûre, c'est que Scarlatti a toujours été plus en contact avec des clavecins, malgré tout, parce que peut-être que la mécanique du pianoforte lui convenait pas parfaitement, et parce que c'était tout simplement pas l'univers vers lequel il voulait se diriger. Est-ce que tu ressens qu'il y a des fois... Ça, c'était pas écrit pour les clavecins, quand tu joues de Scarlatti? Je pense que Domenico Scarlatti est inclassable.
tout simplement inclassable. C'est vrai qu'il y a des influences classiques. Il y a aussi quelque chose de très très baroque qui subsiste, dans le sens espagnol du terme, avec des résurgences de musique populaire. Ça, tu le sais bien, aussi à l'étape. Oui, bien sûr. Et je pense que ça pourrait être bon de comparer ça à ce qui se passe dans l'art graphique espagnol, comme Goya, par exemple, qui est un art pictural qui est absolument inclassable et tout à fait étrange. Voilà, c'est toute cette période qui est en fait très très riche en liberté. Et Domenico Scarlatti prend cette liberté et en fait autant de chemin qu'il n'a composé de sonates, on va dire. Scarlatti, les Espagnols disent que c'est un compositeur espagnol presque. Ils ont raison de se l'approprier, puisque Scarlatti a tout fait après, pour devenir italien, le plus espagnol. C'est italien, portugais, espagnol, même un peu anglais, il avait dû un peu en Angleterre aussi. Et puis italien, il faut relativiser aussi, hein. Scarlatti il est né à Naples, et Naples était sous domination espagnole pendant longtemps dans sa culture, et ça a beaucoup changé l'identité napolitaine, c'est sûr. Donc en fait, finalement, il a toujours été un petit peu espagnol. C'est pour défendre. Donc tu dis qu'il est espagnol. Ah oui, je pense. Ouais. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Donc Scarlatti est espagnol. Il est espagnol. J'aimerais bien te poser la question par rapport au rubato chez Scarlatti. Il y a plusieurs types de sonates. Et il y a des sonates rapides, rythmées. Il y a des sonates lentes, mais rythmées. Il y a des sonates presque comme des improvisations, où tu peux jouer aussi comme une improvisation. Oui. Et le clavecin, il a une énorme relation avec la basse continue. Oui. Donc avec l'improvisation, justement. Bien sûr. Du coup, je te pose la question. À l'époque, comme aujourd'hui, hein, à l'époque, les clavecinistes devaient jouer en ensemble et donc faisaient essentiellement de la basse continue. Les pièces solo, c'était pour eux, pour leurs amis ou pour leurs commanditaires, pour des bourgeois ou pour des aristocrates qui achetaient de la musique et qui s'offraient de la musique pour leur confort personnel. Mais autrement, un claveciniste à l'époque faisait de la basse continue tout le temps. Tu disais, juste là, tu parlais du rubato. Oui. Je comprends absolument ce que tu veux dire par rubato. C'est un concept assez moderne, assez romantique. Nous, on va plutôt avoir tendance à parler de tactus, c'est-à-dire une grande pulsation, très très grande, et on va prendre des libertés dans cette pulsation. C'est-à-dire que la grande pulsation, elle va s'élever et redescendre, et tout ce qui se passera à l'intérieur, on va devoir, vivre avec. C'est-à-dire qu'on pourra prendre, on pourra avancer un petit peu, reculer, tant qu'on partira d'une pulsation et qu'on sera au rendez-vous à la prochaine. C'est plus cette idée-là qui est propre à la musique ancienne. C'est très personnel, le rubato, on est d'accord. Tout à fait. Pour moi, il n'y a pas une mauvaise ou une bonne choix, c'est plutôt un choix assumé et pas très bien assumé. D'accord, ah, c'est très intéressant. Ouais. Parce que je trouve qu'en ce moment-là, il n'y a rien qu'il ne peut pas faire, oui. Du moins qu'il le fait bien. Oui, je suis d'accord. Je dirais, fondamentalement, oui. Après un moment, si on est toujours limité, ah, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, ah, qu'est-ce que je fais des coups. Non, non, ça ne devient plus la musique, c'est de la névrose. On peut parler un peu pour la sonate K213, on va jouer un petit peu aussi pour montrer les différents timbres du clavecin et de la guitare. D'accord. Pour toi, cette sonate, comment tu approches cette sonate? Tu l'as déjà jouée, j'imagine. C'est une tête très jouée pour la guitare. C'est une des plus célèbres pour la guitare. Oui, d'accord. Ça sonne bien la guitare, je prends la liberté de dire. Ben, t'as raison. Et aussi, ça sonne très bien au clavecin, avec une manière totalement différente. Oui. Quand je t'écoutais jouer un petit peu tout à l'heure, je me suis dit, ça va être drôle, je fais pas du tout comme ça quand je joue ce morceau. C'est super. Et ça va être hyper intéressant de voir ta réaction quand je te joue un petit peu avec ma manière de jouer cette pièce. D'accord. Mais d'abord, parle-moi un peu de cette sonate par rapport à ce qui est personnellement ce qui te dit. Ça te parle cette sonate, tu aimes cette sonate? Évidemment, c'est une sonate très belle, mais ça ne veut pas dire tout à fait que pour toi, c'est quelque chose qui est très touchant. Oui. De toute façon, c'est une sonate qui me touche beaucoup. Bon, sinon, je n'aurais pas vraiment accepté de la jouer. Enfin, c'est difficile aussi de prendre l'orgueil et de dire que c'est une sonate de Scarlatti qui ne me touche pas vraiment. Passe un peu comme ça. C'est que ce n'est pas le moment pour moi de la jouer, peut-être. Mais là, actuellement, elle me touche beaucoup. C'est une pièce assez particulière. Thank you.
très très beau, c'est que de toute façon, ce qu'il faut garder, c'est une musique qui parle de cœur à cœur. Mmh. Quoi qu'il arrive. Et... Tu n'es pas d'accord? Je vois que tu n'es pas d'accord. Ah si, ah, je suis absolument d'accord. Mais avec ce que je fais, je veux dire... Ton interprétation, elle se tient. Oui, elle se tient, c'est okay. Très très beau. Très très beau. Parce que j'étais un peu stressé justement de jouer maintenant à toi après t'avoir écouté. Il faut arrêter. Non, au conservatoire, on n'arrête pas de croiser des violoncellistes, des pianistes. Les violonistes disent « Oh là là, je vais faire de la musique ancienne devant un baroque. C'est sûr que je ne fais pas la bonne chose. » Donc j'ai très très peur. C'est super. Non, il faut assumer, je pense, le côté transcription. Et heureusement que cette musique est aussi jouée par d'autres personnes que des gens qui sont convaincus par les dogmes. Non, il faut continuer ça. You know, it's an amazing experience when you meet somebody that is super talented, super intelligent, but actually so much different than you. I didn't put our whole dialogue on YouTube because I thought it was a bit too much, a bit too long. But if you are really interested and you're a Scarlatti nerd as myself, then check my Patreon page because I have put everything there where we talk about music in general, guitar, harpsichord, Scarlatti, baroque, etc., etc. By the way, I recorded the sonata just after and I played it in a super different way that I was supposed to. I felt that I was like improvising. It was just completely different from what I had thought and imagined. Thank you so much for watching. If you enjoyed this kind of videos, if you find it fun and interesting, then subscribe to my YouTube channel because I'm releasing every single week a vlog about classical guitar, guitar related, music related. Like this time it was completely about Scarlatti and baroque and harpsichord, and you know, it's all about music here.